Amen. Est-ce qu'on peut crier à Jésus ce matin? Jésus, 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 alléluia. Amen. Amen. On voit quelque part, on établit le règne de Dieu. Amen. On doit savoir que c'est Jésus qui règne. Amen. Ce matin, le Seigneur nous a permis de venir accompagner le frère qui veut prendre l'engagement de faire le baptême. Alléluia. Le baptême, nous avons déjà dit, c'est un acte très très fort dans la marche chrétienne. Et le baptême, on ne le cache pas. C'est un acte officiel. Amen. Devant le monde entier, devant les anges, devant Jésus, on dit maintenant, je veux marcher avec Dieu. Parce que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Alléluia. Amen. Donc, ce n'est pas un moment de recueillement. Alléluia. Amen. Pour que vous ayez le cœur abattu. Amen. Plutôt, c'est un moment de réjouissance. Amen. Parce que la Bible dit qu'il n'y a plus de joie au ciel lorsqu'un pécheur se repent. Et la peur de la repentance du pécheur, c'est le baptême. Amen. Donc, pendant que nous allons accompagner nos frères, alléluia, aller se baptiser, le ciel aussi est dans la joie. Amen. Il y a les anges au ciel avec des fanfares, avec des pianos, avec des instruments à cordes qui sont de chanter là-bas. Alléluia! Peut-être vous n'entendez pas les cantiques que nous on entend ici. Alléluia! Donc, la terre et le ciel vont se synchroniser pour manifester cette grande fête dont nous devons nous réjouir, nous devons danser. Amen! Parce qu'aujourd'hui, c'est un jour unique dans la vie de nos frères. Alléluia! Amen. Donc, je veux que tout le monde bouge son corps, on l'oublie le corps. Amen. Voilà, comme les canoulés, on va pas casser. Hein. Alléluia. Donc, à l'échange, vous allez arriver. Amen. Accélérer. Danser. Alléluia. Amen. Victoire, alléluia, chantons, prions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau, victoire, victoire, alléluia, alléluia, chantons, chantons, prions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau, victoire, 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 alléluia, chauffez, 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 chantons, hein? Ton criant de joie. On n'entend pour rien. Jésus-Christ est sorti. Galilée, 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 Galilée. Vous n'avez pas mangé. Je viens de la Galilée. Et criez. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères. Il est ressuscité. Je n'ai pas encore mangé. Galilée, 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 Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères, il est ressuscité. Victoire, 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 alléluia, alléluia, chantons nos rayons de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau, victoire, victoire, alléluia, alléluia, chantons nos rayons de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau, Galilée, 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 je viens de la Galilée, Galilée, Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères, il est ressuscité. Galilée, 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 je viens de la Galilée, Galilée, Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères, il est ressuscité.
Il a ressuscité, quand il a ressuscité, il a ressuscité, quand il a ressuscité, quand il a ressuscité, quand il a ressuscité, le Seigneur est vivant, comment il est vivant, il a vaincu la mort, comment est englouti, elle n'a plus de pouvoir, quand le pouvoir, Mir doch nice. Bei mir doch auch. No, Vogi, wo du gehst da? Vogi, wo du gehst da? Ja, geil, Vogi, bereit, Korrektion. Je suis rempli de l'esprit. La valeur reçoit le Saint-Esprit.
Tiens à cœur, le Seigneur veut te faire grâce. Alléluia.
parce que tu as beaucoup agi là-bas avec la force, alléluia. Voilà, alléluia. Yeah.
Seigneur Jésus, quand je t'envoie, oh papa, tout le monde, la restauration complète de son âme, la restauration de sa vie et de ses amis. Seigneur Jésus, qui est la vie, tu as dit que oui, ce nom, Seigneur, oui, jusqu'à ça, Seigneur Jésus, tu as voulu, Seigneur Jésus, oh Père, tu rendras le tout, Seigneur Jésus, oh éternel des amis, nous te prions, Seigneur. Rends-la le goût pour tout ce qu'elle a perdu, Seigneur Jésus de Nazareth, et que sa vie soit une abondance. Amen. Donc, pour pas que les gens
Alléluia. J'ai déjà beaucoup fait, j'ai coupé les ongles. Alléluia. 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 Son père a tout coupé. Il a tout enlevé. Alléluia. Je suis en train de faire parce que tu as. Non, tu as pu le faire après toi. Il y avait toutes ces choses qui viennent. Tu es bon. Tu es bon. Amen. La
chemin de ta vie, le chemin de ton bon salut, le chemin de ta vie. Nous avons ce pouvoir. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Jésus, ta parole est vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne peux pas sortir de la parole. Amen. Si je sors de la parole, donc je sors de la vérité. Amen. Et la vérité sauve. C'est pourquoi ce matin, tous les frères et sœurs qui ont fait leur entrée officielle dans le royaume de Dieu, Jésus vous dit « Welcome ». Amen. Un temps au ciel. Alléluia. Un temps au ciel. Amen. Le ciel est dans la joie. Il a accueilli ses nouveaux citoyens. C'est la preuve que le royaume de Dieu s'est agrandi. Amen. C'est le baptême qui fait que le royaume de Dieu s'est agrandi. Ça veut dire que les gens ont pris l'engagement. Ils auraient dû être acceptés comme citoyens, comme ceux-là qui vraiment marcheront avec Dieu. Amen. Donc voilà, c'est très bon. Parce que vous rentrez dans un pays, amen, c'est clair qu'on va vous présenter les lois du pays. Amen. Comment on vit dans le pays? Quelles sont les choses qu'on ne fait pas dans le pays? Amen. Donc le ciel aussi a sa propre constitution. Amen. Et la constitution, c'est la parole. Donc, ce matin, l'Esprit de Dieu m'a dit de vous exhorter sur quelques règles élémentaires que vous devez suivre pour que votre marche chrétienne soit un succès. Amen. Parce que le baptême doit vous transformer. Alléluia. Le baptême qui démontre que vous êtes débile de Dieu. Amen. C'est la preuve que vous êtes mort. Alléluia. Vous êtes mort dans quoi? Vous êtes mort dans le péché. Vous êtes mort dans votre orgueil. Vous êtes mort dans l'impudicité. Vous êtes mort dans la cigarette. Vous êtes mort dans les tenues ceci. Alléluia. Donc, ces choses dans lesquelles vous êtes mort ne peuvent plus encore revivre en vous. En vous. Alléluia. C'est une nouvelle personne qui apparaît désormais. Et cette nouvelle personne qui apparaît, qui est sortie de l'eau tout à l'heure, amen, cette nouvelle personne, en réalité, a repris le corps. Votre corps. Amen. Donc, cette même personne doit lui imposer quoi? La loi du ciel. On appelle la loi de l'esprit. Amen. Donc, désormais, chers frères, chers et sœurs, vous qui avez été baptisés ce matin, vous devez savoir que vous êtes devenus une nouvelle personne. Amen. Les choses anciennes sont passées.
Ça ne dit pas. Lorsque Jésus, alléluia. Donc, je vous disais, la Bible dit que désormais, vous devez porter le regard vers le ciel. Affectionnez-vous aux choses en haut. Si donc vous êtes ressuscité, alléluia. Désormais, vous devez affectionner vos choses en haut. Vos regards ne doivent plus sur les choses de la terre. Quelles sont les choses qui sont sur la terre? Nous avons l'orgueil, nous avons la luxe, nous avons l'impurité, nous avons la pudicité, nous avons la colère, nous avons la jalousie, nous avons tout ce qui est semblable, la magie, toutes ces choses, la manipulation, la tromperie. Alléluia, l'adultère, ce sont les choses de la terre. Donc désormais, vous, votre pensée, votre cœur doivent être tourné vers le ciel. Il n'y a pas au ciel, il y a la sainteté. Alléluia, il y a la gloire, il y a la pureté. Vous devez maintenant désirer ces choses dans votre cœur. Vous devez maintenant développer encore la soif, l'amour de Dieu. Amen. Et vous devez marcher dans la sainteté. Alléluia. La sainteté, ça veut dire quoi? Déjà même, vous devez démontrer que, oui, quand je suis sorti de l'eau, me voici avec la nouvelle personne. Vous n'allez plus voir les choses qu'on me reprochait avant en moi. Donc, votre habillement doit changer. Alléluia. Vous qui portez les choses, ceci, tout ça, là, non, c'est fini, ça. Mais c'est fini. Les choses dans lesquelles vous voyez, ah, si c'est la sœur Elisabeth, maintenant, qui est nouvellement, qui est sortie nouvellement de l'eau, voilà, elle, celle qu'on connaissait avant, c'est une sœur qui agarrait. Amen. Quand tu lui dis un mot, elle va te répéter 10 mois après. Aujourd'hui, maintenant, voilà, la Elisabeth, on la touche, elle ne dit rien. On la frappe, elle ne dit rien. On lui arrache ses habits, elle ne dit rien. Pourquoi? Parce que l'autre Elisabeth est déjà morte. Amen. C'est ce que vous devez désormais. Amen. Et si vous vraiment vous êtes soumis à la volonté de Dieu, vous serez heureux. Votre marche chrétienne sera une marche de victoire. Amen. Et le Seigneur ne va jamais vous abandonner. Les anges de Dieu sont désormais avec vous. Amen. Chacun de vous a reçu maintenant le nouveau garçon. Alléluia. Donc vous n'êtes plus seul. Amen. Vous n'êtes plus seul. Vous êtes désormais avec les anges. Et les anges du ciel vont vous reconnaître désormais comme citoyen et doivent vous protéger. Amen. Donc, dans le moment de faiblesse, dans le moment de peur, présentez-vous au Seigneur. Dis, Seigneur, aide-moi. Amen. Quand j'avais peur de dire, ah, je vais voir l'autre marabout. Je vais voir. Non, c'est fini. Il n'y a pas marabout au ciel. Amen. Il n'y a pas de pétition au ciel. Il n'y a que Jésus. Donc, c'est Jésus seul qu'on voit. Amen. Donc voilà quelques éléments que je veux présenter avec vous ce matin. De toute façon, nous sommes tellement heureux que les gens ont pris des décisions de se baptiser. C'est très important. D'autres hésitent encore. Mais d'autres hésitent encore. Est-ce que je vais faire ou ne pas faire? Amen. D'autres non. Bon, on ne va pas réfléchir. On ne réfléchit pas devant le portail du ciel. Alléluia. On est au portail du ciel, on ne réfléchit plus. Si tu te mets à réfléchir, on va fermer la porte. Amen. On réfléchit en enfer. Alléluia. Et je sais qu'il n'y a personne ici qui va réfléchir à notre parce que là, il n'y a plus la bonne décision. Alléluia. Donc, je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Amen. Père éternel, notre Dieu, notre Sauveur, voici ceux-là qui ont pris la décision. Désormais de marcher avec nous. Alléluia, je prie au nom de Jésus. Seigneur, voilà, ils sont devenus des bébés du royaume. Je te prie, Seigneur, prends soin d'eux. Prends soin de Seigneur et prends ta main sur leur vie. Ne permets jamais qu'ils se retrouvent encore dans leur vie. Ne permets jamais que l'ennemi voit encore des faibles dans leur vie pour les ramener encore dans les chaînes, pour les ramener encore dans les folies. Donc je prie que ton feu les encourage, que tous les jours de leur vie soient remplis de feu, 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 le feu pour te servir, le feu pour demeurer en ta présence, Seigneur. Je te prie, Seigneur, tu leur révèles de nouveaux vêtements. Le vêtement des citoyens qui reçoit ces vêtements. Que chacun reçoit sa robe maintenant. Que chacun reçoit sa robe maintenant. La robe de sainteté. La robe de sainteté. Recevez vos robes. 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 Recevez vos robes.
au sommet d'Europe, au sommet d'Europe, Seigneur Jésus. Tel que l'enfant produit est rentré à la maison. Et il a été honoré. Je prie que tu les honores, Seigneur Jésus. Honore-les, Seigneur Jésus. Honore-les, Seigneur Jésus. Afin que ce matin reçoive le moyen de nous pour leur séjour sur la terre, Seigneur Jésus. Et je te prie que tu leur donnes un cœur vraiment pour te chercher, un cœur vraiment pour t'aimer et haïr le monde. Donne-leur ce cœur et donne le dégoût du monde, le dégoût des choses du monde, Seigneur. Moi, je te prie, ne les laisse jamais seuls. Ah, tu as dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Oui, Seigneur Jésus. Que le Saint-Esprit, le Consolateur, l'Ami fidèle, le Conseiller, les suive tous les jours de leur vie. Seigneur Jésus, voici, merci. Je les recommande à ta main. Je recommande tout le peuple qui les a accompagnés. Seigneur, dans ta main, je te prie de protéger chacun, Seigneur. Pour que représailles de l'ennemi contre la vie de quelqu'un, s'il soit nul et sans effet, au nom de Jésus. Tout démon qui va se lever pour poursuivre quelqu'un en ce lieu. J'entends que l'épée de l'Éternel le taille en pièces au nom de Jésus. Seigneur, couvre-nous par ta lumière, Seigneur. Que nous soyons invisibles à tous les radars, à toutes les caméras des ténèbres. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, marche devant nous comme un feu dévorant. Seigneur, nous voulons te recommander le culte de tout à l'heure. Seigneur, nous te prions de manifester ta puissance. Seigneur, nous sommes bénis ce matin parce que tu nous as aussi bénis au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. D'accord. On se donne rendez-vous tout à l'heure, à 14h, pour le grand culte, le culte de consécration. Alléluia. Alléluia. Une information. Gloire à Jésus. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Voilà. Nous sommes pratiquement terminés de cette mission à Dakar. Amen. La mission de Dakar est en train de terminer comme ça. Donc, nous sommes venus au baptême. Le baptême, c'est nous voulons que les gens vont accepter l'évangile. Amen. Et cette mission nous a permis autant de mieux de priver. Amen. Donc, nous avons désormais deux églises. Il y a l'église qui est à Kebaïfal, l'autre église qui est à Castor. À la Castor, à Dakar, c'est une église. Donc, tout à l'heure, nous allons faire le dernier. Ce sera la fin de la mission de Sénégal et de retour au Bengal. Amen. Tout ce qu'on a fait à travers cette mission. Donc, vous savez quoi, pour les gens qui ont fait, 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 pour les gens qui ont fait,